Et yo yo yo, on est de retour pour une nouvelle épreuve des Jeux Olympiques de jeuxvideo.com. Visiblement, j'adore le yo 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 parce que bon, les gens autour de moi n'ont pas l'habitude visiblement. Oui, comme tous les Jeunes. Comme tous les Jeunes, ok, c'est trop bad, c'est trop in, vous pouvez pas comprendre. Et on se retrouve avec donc une nouvelle épreuve, la deuxième épreuve, parce qu'on sait, dans la précédente, c'est notre ami... Bravo, il faut reconnaître une belle victoire. Merci. Il représente la France et il a gagné. Il a remporté 5 points. En deuxième, il y avait Monsieur 87 avec la Russie qui a eu 3 points. Et en troisième, il y a eu Nagla Gasson avec l'Allemagne qui a eu 1 point. C'était sur le 110 mètres haies. On vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais bien sûr, eh bien, les autres concurrents, parce qu'on est 8 sur cette compétition, vont pouvoir essayer de se rattraper avec aujourd'hui le lancer du javelot. Alors avant, je vais présenter les gens qui sont là pour la première partie de la compétition, parce qu'on va faire 4 par 4. Nous avons ici à ma gauche, donc avec Play For You qu'on a déjà présenté, qui représente la France. Nous avons à ses côtés Rivaol qui représente le Kenya. C'est toujours surprenant, mais oui, c'est lui qui représente le Kenya. Et ici à ma droite, nous avons notre cher Spider Django qui représente l'Australie. Oui, fièrement. Fièrement les kangourous. Et notre cher Sailanger ici qui représente le Canada. Voilà, tout simplement parce qu'il a passé quoi 6 mois au Québec et il se prend pour un Québécois. C'est ça. Ouais. Avec le Kenya. Il a du sang caribou. Comme toi avec le Kenya, voilà, t'as chassé le lion. C'est des trucs dégueulasses en plus. T'as tué 3 lions dans un safari. Et le mec, il se prend pour un Kenyan. Bon, ouais, bon courage, mec. On se lance tout de suite dans la compétition. On a déjà tout préparé. On est un peu mieux préparé que la dernière fois, d'ailleurs. Et là, on va commencer avec le Kenya. Donc, on va faire dans l'ordre comme ça. C'est le Kenya qui va commencer son premier lancer de javelot. On le rappelle, donc ce coup-là, il n'y a pas de qualification ou quoi que ce soit, mais par contre, chacun a 3 essais. Vas-y, mon cher ami. Allez, j'y vais. Allez. Oh là là, vas-y, fais-nous plaisir. Alors, aux entraînements, ça partait assez loin. Allez, donc on espère. Alors, il faut charger la barre, la course. Et ensuite, il faut tirer avec le bon angle et au bon endroit. Oh, 48 degrés, c'est pas mal. Le bon angle, c'est 45. Attention, ça arrive où? Juste derrière le record du monde. Le record du monde, c'est la ligne verte et le record olympique, c'est la ligne jaune. Le mec s'est entraîné. 97-69. Vraiment pas en plus. Vraiment pas du tout entraîné. Moi, pas du tout. Premier lancé, record du monde. Deuxième lancé, double record. Troisième lancé, je me suis entraîné 5 minutes à la rédac, mais c'est, les personnes talentueuses n'ont besoin que d'un essai pour. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis jamais entraîné à part là. Il a 8 couches. Il a joué sur les doigts, c'est le moyen lancé. Il a joué. C'est fait remplacer. Voilà, c'est parti. Premier essai de la France. D'ailleurs, on peut faire un coucou à Killy, qui a permis de modéliser ce personnage dans le jeu. Ancien rédacteur jeuxvideo.com. Attention, vas-y. Hop, il est passé du seul degré. C'est terrible. C'est ridicule, mec. Tu tombes de si haut. J'attends le dernier essai. Les gens quittent le stade, là. C'est pour suspense. 60 mètres si haut, mec. La France vient de tuer un rat. Oh là là. Tu peux, c'est plutôt une taupe. Tu peux déclarer forfait. J'attends for dernier, you. C'est très bientôt. C'est à toi, ma poule. C'est à moi, oui, pardon. Excuse-moi. Le Congo. Allez, Spider Django qui va faire son essai. T'as 2 autres essais pour t'attraper. Je ne vais pas utiliser. Vas-y, frotte. Mais allez, frotte. Attends, il démarre. Voilà. Oh là là. Attends, partez. Vas-y, encore plus fort. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Tu viens de tuer un oiseau. Chasse à l'aigle. T'es quand même un peu plus loin que notre cher... Boum, je te l'avais dit. 64. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'arrêter cette vidéo et de me déclarer vainqueur? Je pense pas. Non, je pense pas. Si vous voulez que je vous ridiculise avec mes 110 mètres, je l'annonce, 110 mètres. Essayez quand même de retenir vos lancers, parce que je vais pas pouvoir revenir tous les lancers. Je retiens bien. 104 mètres, j'ai fait. Oui, chacun retient que 100, c'était le principe. Bête. T'es bête. Pourquoi t'es chef? Pourquoi? Excuse-moi. Je me demande moi-même. Allez, c'est au tour de Silent Jay qui va lancer avec le Canada. Vas-y. Allez, pense à toutes tes soirées de Fell. Oh là là, t'as lâché. Oh non. C'était la même chose, mais je me suis trompé. En fait, c'est vers l'avant puis vers l'arrière. Non, arrière, regarde. Non, mais par contre, juste un truc. C'est avant-arrière. Silent Jay, écoute-moi. Quand t'as couru, en fait, t'as lâché avant qui est marqué verrouiller puissance. Donc, du coup, la barre est redescendue. Donc, du coup, c'était ridicule. D'accord. Voilà. Je te le dis. Mais ça change pas. Et après, quand tu lances vers l'avant, il faut que tu lâches, sinon il meurt. Bon. T'as fait disqualifié. Bon. J'ai rien. Enfin, disqualifié. C'est juste. Allez, on y retourne. T'as d'autres chances. T'inquiète pas. Non, mais. Non. Vous avez vu comment se placer l'Australie au-dessus de beaucoup d'autres gens. Hein, je veux pas. Hein?
L'Australie était au-dessus de tout le monde. Mais non, mais non, il raconte n'importe quoi. Ah, attention, 49 degrés. Ah, j'ai mordu. Il a mordu. J'ai mordu. Ton premier essai devrait suffire. Allez, oh non, attends, c'est battable. Bon, pas par toi, mais c'est battable. Merci, allez, la France. Là, il faut que tu fasses vraiment bien. Ces semaines à t'entraîner à Factorio. Ça sert à rien de frotter avant qu'il parte. Vas-y, est-ce qu'il va avoir la pleine puissance? Oh, il est bien. Verrouillage puissance. Il est très bien. Oh, il est très bien. Attention, je pense que c'est très bien. Tu l'as lancé trop tard. Ouais, j'en sais. Trop tôt plutôt. Non, c'est quoi? 80. Je sais pas. 95 là. 93. Donc tu te classes deuxième. Pour le moment. Derrière notre cher Rival. Qui a 97 mètres, je crois. Ouais, 97, 90. Je me place. Arrête de tricher, Rival. Arrête. Ça manque rien du tout. Ça sert à rien. Je pensais avoir fait 98. Excusez-moi. Attention, ça sert à rien. Tant qu'il n'y a pas marqué parté, ça sert à rien. Ok, tout va bien. Calme-toi. Allez, attention. Allez, go. Vas-y, frappe plus fort. Encore. Voilà, ça c'est bon, vas-y. Oh là. Alors ça s'appelle le lancer de harpon, mais c'est un autre sport. Il vient de tuer à la pêche. J'ai vu une taupe. 31. 31, c'est à peu près le temps que tu as fait aux 110 mètres de temps, que c'est plutôt pas mal. C'est un autre sport lancé de harpon. Bon, elle était pas là, cette baleine. Non, elle était pas là. Alors, vas-y, tu peux passer. Arrête d'essayer de me toucher, toi. C'est la déconcentration. Mais ne t'inquiète pas, il peut toujours y avoir pire, puisque c'est Longevel lancé pour le Canada. Oh putain, ça va être une catastrophe encore. Vas-y, allez, tu représentes le Canada. Je te rappelle qu'on a beaucoup de public, un gros public canadien. Oui, c'est vrai. Et ils comptent beaucoup sur toi pour pas les ridiculiser. Vas-y, continue, non. Ah, mais pourquoi? Ah, c'est mieux. Pas... Il a mordu. Oui, mais non, il a mordu, c'est bon. Il a pas mordu, mais il s'est arrêté beaucoup trop tôt, donc il va faire. Un peu après 80 quand même. C'est pas mal, hein. Si, ça devient intéressant là. Ça devient intéressant, mais t'avais lâché la puissance. 82, bien joué. T'avais lâché la puissance, malheureusement. Ça s'est pas verrouillé encore une fois. On a combien d'essais? Bah écoute, t'es seul à pas réussir. Ah, t'es troisième. Ouais, mais ça a pas verrouillé encore. Oui, mais c'est de ta faute, hein. Je sais pas pourquoi tu me regardes. Mais verrouille alors, c'est la question. Mais ça verrouille tout seul, on est d'accord, le mec. Ça verrouille tout seul. Mais oui, mais je crois qu'à chaque fois tu lâches avant qu'il y ait marqué verrouiller puissance. Ouais. Ah, c'est juste en bourrinant que ça verrouille. Oui, regarde, là il bourrine, et quand il y a marqué verrouiller puissance, c'est là qu'il arrête de bourriner. Ah non. Non. 29 degrés. Boum. Faute en plus. Oh là là, pourquoi t'as pas fait faute sur le premier aussi? J'ai mordu là. Ouais, t'as mordu. Oui, t'as mordu, bien sûr que t'as mordu. Bon, j'ai quand même fait un bizarre, 80. JJ avait été plus loin sans mordre. Alors, il n'a pas amélioré. Oui, mais il avait lâché son javelot. Ah ah. Faut que j'y arrive. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est le principe. Parce que moi, monsieur, j'ai dû lancer le javelot en patin à glace. Tu peux améliorer, mec. Il a pas amélioré. Faut que j'arrive. Il a fini son concours. Tu peux aller au-dessus. Donc ça verrouille naturellement. Tu es deuxième actuellement. Non, tu vois, ça verrouille pas naturellement. Voilà, ça y est, il y a trop d'angle. Ah, 50, attention. Beaucoup trop. Moi, je pense que t'es pas. Ouais, mais ça redescend, non, ça redescend où? Ah non, c'est derrière. C'est derrière. Tu dois faire à peu près comme tout à l'heure, je pense. Donc Rive qui est devant là. Donc Rive qui est devant. Ouais, je sais, ça surprend. 94, j'ai fait un peu mieux. Un peu mieux. Tu peux pas battre 80. Je veux pas être dernier encore. Oui, parce que pour le moment, n'oublions pas qu'il y a 4 autres joueurs. Oui, il y a 4 autres joueurs. Ouais. Là, on parle de cette session. Notamment Logan, le grand favori. Allez, taisez-vous. Vas-y, concentre-toi. Taisez-vous. Vas-y. Tous les kangourous te regardent. Les koalas aussi. Les koalas. Les marsupilamis. Je sais pas s'il y en a en Australie. Attention, vas-y, verrouille, vas-y, l'angle. Ah, ça, trop ça, c'est correct. Ouais, mais ça va être mieux. Je pense que c'est mieux que notre cher. Silent Jay. Ah oui, c'est très bien même. Ah ouais, attends. Est-ce que ça serait pas meilleur que toi? Est-ce que suspense? C'est meilleur qu'I Play For You? Non. Non. Pas du tout. Bah pas du tout. Merde. De peu. Mais troisième de cette session. Si allez, on y croit. Si jamais l'autre session est très mauvaise, tu peux finir troisième définitivement. Sauf si Jay te passe devant. Tu cours jusqu'à ce que ça verrouille tout seul. Ok. Tant qu'il n'y a pas marqué verrouiller puissance, tu continues de courir. Voilà, t'appuies. Allez, tu peux passer Spider, s'il te plaît. Non, il adore regarder son ralenti. J'ai voudrais jouer. Mais il peut le faire. Non, je peux tu pas. Peux le faire. On a tous confiance en toi. Non. On y croit, Jay. Allez. Allez, vas-y, allez, c'est parti, vas-y, continue. Non, tu vois, ça... tu vois, je t'ai dit, ça verrouille pas. Ça verrouille pas. Écoute, ils y arrivent tous, moi j'ai jamais joué. Je pense qu'il faut appuyer vers l'arrière quand même pour verrouiller, mais... Je sais pas, je crois pas, franchement, je suis pas sûr.
C'est un échec. Et ouais, mais j'avais dit que ça déroulait pas naturellement tout ça. Mais mec, c'est pas le lancer 94. Donc, on note les temps. À la limite, si la régie peut faire une petite image du truc, comme ça, ce sera fait. En tout cas, ce qui se passe, c'est que le Kenya, pour le moment, est premier avec 97-69. En deuxième, nous avons la France. Donc, le Kenya, on rappelle, c'est Rival. En deuxième, nous avons la France de I Play For You avec 94-29. Et en troisième, nous avons l'Australie qui, pour une fois, n'est pas disqualifiée. Je vous invite encore à regarder la première vidéo avec 91 mètres. Tu sais combien d'espèces sont disqualifiées et éliminées? Non, dans la première, il s'est fait disqualifier. Oui, dans la première, je me suis fait disqualifier parce que j'ai... En finale. Ah oui, c'est vrai, faux départ. À cause de 87, il est parti avant. C'est vrai. Et qu'il y a eu 3 points. Est-ce que tu sais combien il y a d'espèces tueuses chez moi? Tu devrais quand même faire attention. Oui. je sais bien. En tout cas, c'est actuellement le classement que l'on a. Et on va voir tout de suite avec la deuxième équipe s'ils vont réussir à battre ça. Je rappelle bien sûr que Silent J a déjà perdu. Et nous voilà de retour donc pour la deuxième session. On est avec 4 nouveaux participants. Bon, si vous avez déjà vu le premier épisode qui était 70 mètres haies, vous les connaissez déjà. Il y a une bonne ribambelle de perdants et il y a de gagnants quand même dans le tas. Oui, non, je me suis reconnu dans cette description. C'est fou, je te regardais à ce moment-là. On va un petit peu les décrire quand même. Hop là, ici à ma gauche, nous avons Alvin d'abord. Alvin avec le Japon qui a fort bien représenté ce 110 mètres M et c'est une épreuve qui n'a rien à voir, donc on sait pas trop ce qui va se passer. Peut-être ma chance. 87 à côté. Attention, il a fini deuxième tout à l'heure, il y a déjà 3 points. Enfin, deuxième sur le 110 mètres. Sur le 110 mètres, il y a déjà 3 points, donc il fait partie des favoris, hein, carrément ici. D'autant qu'au entraînement, c'est celui qui a balancé plus loin. Ça se base sur pas grand-chose quand même. ça se base sur vos niveaux respectifs. Et ici, de ce côté, nous avons justement notre cher Logan, qui représente toujours. Voilà, avec ce bel accent, l'Allemagne. L'Angleterre. Donc, et à sa droite, Nagagason, avec l'Allemagne, qui a remporté un point à la première épreuve. Oui, un point. Mais bien sûr. Mais toi, ça te surprend. C'est le premier d'une longue série. Voilà. On rappelle juste avant que vous partiez que les scores à battre, parce que les premiers ont déjà joué. Le premier a fait 97 mètres 69. Donc, c'est ce qu'il faut faire si vous voulez prendre les 5 points. Pour le moment, c'est Rivaol qui a ça avec le Kenya. En deuxième, on a I Play For You avec 94-29. Et en troisième, nous avons l'Australie avec 91. Donc l'Australie, c'est Spider Django. Donc voilà, il faut que vous battiez au moins un de ces temps pour être dans les 3 premiers et gagner des points. Sinon, vous êtes venu pour rien. Très bien. Ça vous va? Ça fait rêver. C'est parti, on commence avec le Japon d'Alvin. Avec son premier essai, on rappelle qu'il y a 3 essais par joueur. Et on va y aller. Donc on vous a expliqué, ils sont tous entraînés, donc si jamais ils se plantent, ils n'ont aucune excuse. Allez, c'est parti, Alvin qui charge, hop, le verrouillage, et le lancer, tu mords. T'as lancé trop tard. C'est dommage, j'étais pas trop mal parti, on va dire. Les commandes restent assez hasardeuses pour moi, c'est vraiment pas bacane. Ah, c'est sûr, c'est pas Pokémon, hein, t'es le gros troll. Je préfère. Un bouton et un stick, utilisation d'un bouton et un stick. Bon, c'est allez, parti. C'est à ton tour. Avec Vladimir. 87, avec la Russie, avec Vladimir. Qui normalement est dopé, hein, si on en prend les qui devrait pas être là. Il y a à peine 2 ans. Oh là, vas-y, fonce, plus fort. Vas-y, plus puissance quand même. 9 degrés, ça va être. C'est un hommage, j'ai vu la Saiyan G. Non, c'était pas. Mais je crois. Mais ça va être mesuré 42. Il est déçu. J'aime bien le principe de l'athlète dopé qui finit dernier quand même. Oui, j'ai toujours trouvé ça plutôt marrant. Toujours simple. Après, je me dis que c'est très bête en fait de vanner en fait quand t'as pas fait en fait un premier essai. Oui, c'est vrai. Fais ton premier essai et après tu pourras vanner. Je m'auto vannerai. Ouais. Alors attends, que je reprenne. Ouais, vas-y. On y va. Tu vas réussir. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Vas-y. Tac, tac, tac. Là, il a la puissance. Il a le verrouillage. Il monte pas. 52 mètres. Il est pas mal. Il est pas mal. Oui. Je pense qu'il prend. C'est du 80, la deuxième place. 93, je pense. C'est 94-29 la deuxième et il est à 94-42. Il prend la deuxième place devant I Play For You. Qui est en larmes. Qui chute dans le classement, vu la vie. Il n'a plus qu'un point actuellement et c'est pas fini. Il y a 3 autres personnes qui peuvent lui passer devant. Bon, pas Nagagason, mais les autres. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu peux passer.
Vas-y, Naga, allez, Naga, allez, Naga, allez, charge plus, plus, plus rapide, plus rapide, plus rapide, plus rapide, plus rapide, vas-y, tiens, en arrière. Non, là, t'as oublié. Ah, oui, 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 oui. Il sort du stade. Il vient de tuer une taupe. Alors, je rappelle, il faut que tu tiennes en arrière pour, à partir du moment où tu es vers la ligne, il faut que tu tiennes en arrière. Et ensuite, tu lances. Donc, je lance. La puissance se déroule automatiquement. Ah, elle confirme. Il faut que tu lances bien avant la ligne parce qu'il marche encore après. Tout avant la ligne finale. Ok. Allez, on rembraye. On l'a expliqué à Salanger pourtant, il a eu du mal. Enfin, bref. On y repart avec le Japon, deuxième essai. Voilà, voilà. Bon, la charge, ça va, vous l'avez à peu près. Verrouillage de puissance, un peu tôt peut-être. Voilà, verrouillage mais là, de puissance. Moi, je veux en faire un. Tu marques des points. Donc, au moins, je vais en faire un. Voilà, voilà. C'est un peu au-dessus de 80, bah, autant dire. Celui de 87. Voilà, il a aucune chance, aucune chance de passer. 83, 83 55, 51. C'est pas dégueulasse. Un peu bas. Ouais. Non, mais oui. Tu montes. Peut-être mais que ton prochain, tu vas faire 100 mètres. C'est possible. Alors, on va essayer de faire un lecteur. Bon, alors tout à l'heure, on rappelle que tu as fait 40 mètres. Genre 9, c'est pas 9 mètres, quelque chose comme ça. Non, non, 40 mètres, 9 degrés. T'as balancé à 9 degrés. Vas-y, charge. Allez, charge. Non, mais c'est le temps que les produits dopants. Ouais, ouais. Oula, vas-y, encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Voyage. Oula, t'es parti un peu tôt et 31. Non, trop tôt, tu vas dans les 70, là, je pense. Ah non, qu'à plus de 80 quand même. Plus de 80 tout de même. Ouais, je crois, hein. Bon, j'ai cru voir la ligne là qui est 83. 83 ouais. Alors Vladimir, c'est pas assez pour les points. C'est pas la peine de fanfaronner. On rappelle que maintenant on rappelle que pour gagner des points, bon toi tu n'as plus qu'à la première place à viser. Ah oui, je vise la première. Donc 97 mètres cake. Si j'ai un bon angle, les enfants. Donc 97 mètres 69 on rappelle, à battre pour toi. Un peu tôt là. Allez vas-y. Il prend son temps, laisse-moi tranquille. Deuxième du concours. Allez vas-y, commence à balancer. Ouh, il balance. Ah putain, c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Rivol est en train de trembler. Attention, Rivol, il a peur. Juste derrière. Pas très loin, je pense que t'es à 95-96. La sœur froide pour Rivol. Sur son deuxième essai. Parce que là, vous ne voyez pas, il a rien à peu près confiant. 96-49, je dis ça parce qu'il y a Rivol dans un angle, en fait, qui n'est pas sur l'écran. Il se liquéfie. Il s'approche au fur et à mesure. Ça commence à être difficile. Ça commence à parler sur le front. Ouais, un petit peu. Tu peux passer, on sait que t'es content. Je ne me lasse pas. C'est normal, c'est normal. Mon Dieu. Allez, Naga Gasson. Allez, Naglap. 94-29 à battre pour prendre la troisième place. C'est parti. Vas-y. Non, ça sert à rien de frotter quand je frotte. Je frotte tout le temps. Moi, la main de la veille. Allez, c'est plus fort, plus fort, plus fort. Mais qu'est-ce que t'es mauvais? Bon. Faut que j'arrête. En fait, ce pull ce ne va pas. Ce n'est pas 100 mètres. La main ne va pas. Le pouce ne va pas. Non, tout ce qui tourne autour, tout ce qui a été construit autour de ce pouce ne va pas. Ton corps n'est pas fait pour ce jeu. C'est garanti, quoi. Non, mais moi c'est toujours sur la fin que je suis meilleur. Ouais. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Dernier essai. Dernier essai chacun, les mecs. Allez. Tu peux. Il y a une grosse amélioration entre ton premier et deuxième jet. C'est certain. Là, voilà. Là, t'as la puissance. Le verrouillage. Le. Oh, c'est pas mal. T'es un peu loin. T'es un peu loin de la ligne. Ah non, il est bon là. Pile dans le. Mon Dieu, est-ce qu'il te prend la deuxième place? C'était absolument voulu de préparer. 96-49, 96-88. Oh, il passe deuxième. Mais oui. Du coup, mon cher Logan passe troisième et Apple for You est en larmes puisque Apple for You vient de passer quatrième. Qui était favori. Qui était favori, mais qui est. Est-ce qu'on peut renommer ça les JO de la moule? Un truc comme ça. T'as été parfait. T'as eu l'angle, t'as eu le. Je suis content. T'as eu du 45. Exactement. Ouais. C'est parti. Allez, il reste encore 3 lancers du coup, enfin 3 joueurs. Avec un lancé chacun. J'y crois pas. On repart avec toi. Allez, vas-y, le 87. La Russie. Pour la Russie. Allez. Oh là là, verrouillage de puissance. L'angle est bien. La puissance y est pas, malheureusement. C'est pas impossible que tu. Ah non, je suis encore bien loin. Que tu sois mauvais. Ouais. Surtout que maintenant il faut faire quand même 96-49 pour réussir à être. 87, bah voilà, c'est raccord. C'est bien. Oui. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'était ce que du sens. Parfait. On rappelle, là, ouais, c'est 96-49. Alors toi, tu joues juste pour passer deuxième ou premier. Ouais, je suis passé déjà troisième. De l'euphorie totale. Mais non, tu peux. Mais je n'arrive pas à voir. Rivol est en sueur. Il sait que t'es un énorme challenger. Je n'arrive pas à voir cet angle de 45 degrés. Et là, il flippe. Allez. Attention, oui, oh, ça c'est pleine puissance. On a l'élan, on a le jet. Oh là là, 60 degrés. Non. Là, c'est mauvais. Non, c'est mauvais. C'est mauvais, on est déçu. Tu fais 81 mètres.
Je suis enfin, déçu. Quelque chose comme ça, hein, je suppose. Surtout de l'Angleterre, mais qui était derrière moi est déçu. T'as quand même tes 3 points actuellement. Ouais, la seule personne qui peut te dépasser, c'est Nagagason qui il a réussi à charger à peu près 30% et à mordre d'à peu près 25 mètres. Et oui, on sait jamais. Il va le dépasser à pied, je pense. Non, mais il est complètement motivé, mon personnage. Tu vas réussir. Mais oui. Allez. Allez, ça sert à rien, tu te fatigues. Voilà. Vas-y, allez, go, plus fort. Oh, c'est plus pas fort. Mal, c'est pas tire mal. En arrière, t'as voilà, t'as... et lâche, 4 degrés. Non, il fallait viser mais avec un certain degré. J'ai un score. Un 5 près, il était bon. T'as un score, c'est vrai. On peut dire, tu as un score, 31 mètres. Bah quand même. 23. L'important, c'est de participer. Je faisais pas ça au collège. Non. Oui. C'est pas mal du tout. En tout cas, ce qui est assez drôle. Lancer les javelots sur toi. Du coup, ah, c'est bon, on va rappeler. Hein. On va rappeler un petit peu. Taisez-vous, les jeunes. Oh, c'est incroyable ça. On va rappeler un petit peu ce qui s'est passé, parce que là, on a juste les résultats là, des 4 derniers, mais sur la compétition, le premier, c'est Rivaol. Est-ce qu'on peut entendre Rivaol? Ouais, ouais. Rivaol qui est là-bas, qui est arrivé premier, lui, parce qu'il avait fait 97 mètres 29, si je ne m'abuse. Tout à l'heure, donc c'est lui qui est le premier, et en deuxième nous avons Alvin. On s'est moqué de lui, mais avec le Japon 96-88, donc lui il a 3 points, on rappelle c'est 5 points pour Rivaol et 1 point pour notre cher oui. Tout à fait, allez, vas-y. Logan, voilà. Logan, tu avec la première lettre de mon avec l'Angleterre, avec 96-49, c'est ouais, toi qui as un point. Ce qui veut dire que sur le classement général, c'est simple, tous ceux qui ont gagné, qui ont marqué des points sur cette épreuve, n'en avaient pas marqué sur la première. Exactement. Donc du coup, nous avons 3 égalités. À la première place, à 5 points, nous avons I Play For You et Rivaol qui prennent la tête du concours jusqu'ici. À la deuxième place, à égalité, nous avons juste ici notre cher 87 et juste ici, pas du tout toi. Je te frappe. Faut savoir que j'ai pas du tout de machin, mais vous ça va apparaître à l'écran, mais pour le moment j'en ai pas de retour sur ça. Alvin et en troisième, nous avons les deux qui sont là, tout simplement. Oui, c'est vrai. Logan et Nagagason. Tout à fait. Voilà, donc pour le moment, ça part assez équilibré. On rappelle que ceux qui n'ont pas de points, c'est quand même Spider Django et Silent Jeff. Ils sont plus là, ils sont barrés. Les deux derniers, ils sont barrés. C'est les deux qui sont plus dans la pièce d'ailleurs. Ils ont bien compris que de toute façon, cette compétition n'était pas pour eux. Voilà, en tout cas, pour cette nouvelle épreuve. Et on va continuer par la suite. Vous allez pouvoir nous suivre sur la prochaine épreuve. Est-ce qu'on sait déjà laquelle c'est ? Est-ce qu'on les passe dans l'ordre ? Oui, le saut en longueur, je crois. Le saut en longueur. Donc n'hésitez pas à regarder ça dès qu'on la diffusera. Ça sera dans quelques jours. Merci à tous et on se retrouve prochainement. Ciao.